Et bon, on va commencer. Merci à toutes et à tous d'être présentes pour cette plénière santé sexuelle. Pourquoi et comment en parler en médecine générale? Je vais d'abord introduire en quelques mots qu'est-ce qu'est la santé sexuelle et puis je laisserai la parole à nos intervenants. Pour l'organisation, on prendra toutes les questions à la fin, après les trois interventions, pour se laisser un petit peu plus de temps pour y répondre. La santé sexuelle, de quoi parle-t-on? Commençons par un petit peu de sociaux, puisque Michel Bozon nous rappelle que la sexualité est avant tout une construction culturelle et sociale complexe. Complexe car une approche sociologique de la sexualité nécessite une approche plurielle, historique, démographique, anthropologique, philosophique, de psychologie sociale, des sciences politiques, des études littéraires, mais aussi filmiques. C'est aussi une construction culturelle, puisqu'elle nécessite la coordination d'une activité mentale, d'une interaction sociale et d'une activité corporelle qui doivent toutes trois être apprises. Ceci remet en cause l'idée de la pulsion sexuelle et du primat persistant du désir des hommes, et au contraire, le moindre désir des femmes, à qui on ne prête souvent que des intérêts affectifs, car ces idées ne découlent pas d'une logique intrinsèque de la sphère sexuelle, mais d'une socialisation inégale de genre, qui n'affecte pas seulement la sexualité. Il n'y a pas un gène de l'amour des gros bolides et un gène de la compétence savoir lire les cartes routières. Pour mieux comprendre les enjeux de santé publique liés à la santé sexuelle, je vais vous présenter quelques chiffres préoccupants et difficiles. Concernant les viols et les violences sexuelles, en France, chaque année, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols, ce qui fait près de 3 millions de femmes sur leur vie. En mars 2020, une enquête réalisée sur près de 100 000 femmes a mis en évidence que 9 femmes sur 10 avaient fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel. Concernant les actes LGBTI-phobes, on a encore observé en 2019 une augmentation des témoignages d'actes qui atteignait près de 2400 témoignages. En ce qui concerne les mutilations génitales, près de 200 millions de femmes et jeunes filles en ont été victimes dans le monde et 4 millions y sont exposées chaque année. Pardon. Concernant la pédocriminalité, dans le rapport SIAZ, 5,4 millions de personnes auraient été victimes de pédocriminalité depuis les années 50. Concernant les grossesses non désirées et les IVG, en France, le chiffre à peu près stable de 220 000 IVG est pratiqué chaque année. Les premiers contacts avec des images pornographiques sont à peu près estimés à 10 ans chez l'enfant. Les IST augmentent depuis 2015 avec le gonocoque en tête et le chlamydia rapidement dernière. Concernant les dysfonctions sexuelles chez l'homme, un tiers des hommes en souffrent et après 70 ans, près de 2/3. Et concernant les vulvodynies chez la femme, selon les études, entre 3 et 15% de femmes en souffrent. On ne peut donc pas ne pas s'y intéresser et l'OMS a défini le concept de santé sexuelle comme fondamental pour la santé et le bien-être général des personnes, des couples et des familles. Elle s'entend comme un état de bien-être physique, mental et social, eu égard à la sexualité, qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Les questions liées à la santé sexuelle sont très variées et elles englobent l'identité de genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle, les relations, le plaisir. Nous l'avons vu, elles ont également trait à des éléments néfastes ou pathologiques ou enjeux de santé publique. La santé sexuelle s'entend comme une approche positive de la sexualité et de relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence. Pour qu'elles soient assurées, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être assurés. Mais en pratique et dans nos cabinets, de façon non exhaustive.
Comment lutter contre les discriminations sans avoir une posture et une démarche inclusive? Savoir parler de tous les sexes, tous les genres, toutes les orientations sexuelles, sans hiérarchie ni jugement. Comment accueillir les violences sexuelles sans en connaître les manifestations, comme le cyberharcèlement, les nudes, les viols intraconjugaux? Comment accompagner nos patients et nos patientes à comprendre et à s'approprier, à comprendre le plaisir et à s'approprier les contraceptifs sans connaissance des organes et génitaux et de leur fonctionnement? Comment accompagner nos patients à vivre leur sexualité dans la vraie vie, c'est-à-dire avec gras, poils, odeurs, sensations de manque d'expérience, sans savoir être critique des corps et des sexualités mises en scène dans les magazines et les films pornographiques mainstream? Et enfin, comment les accompagner à éprouver des relations et une sexualité libre sans être au clair sur le consentement? Pour nous aider à répondre à ces questions, je vais donner tout d'abord la parole au docteur Gérardin Torrent, qui est sexologue à Nîmes et chargé d'enseignement au DU de sexo à Lyon.